merci d'être venus aussi nombreux. Premier tour, pardon, première session du second tour. Il nous a prouvé qu'il ne suffit pas d'être beau pour participer au concours, ni même totalement con. Il a fait revivre Brel en étant intelligemment beau et joliment intelligent. Vous aurez compris parce que vous n'êtes pas seulement qu'un ravissant public, vous êtes aussi un intelligent public. J'appelle Zachary Dupin. Bonjour à tous. Je vais, pour ceux qui étaient absents lors de ma dernière prestation, me présenter brièvement. Je m'appelle Zachary Dupin. J'ai 18 ans. J'ai 18 ans et aujourd'hui, mesdames et messieurs les jurés, chers auditoires, chers publics, autant vous le dire tout de suite, j'ai été investi d'une mission. Je ne vais pas, à l'image des frères Ancel, entamer naïvement ma présentation comme ils entament leur tout premier cours de l'année, croyant donner un air grave et dramatique. Rappelez-vous plutôt la fameuse affaire Ranucci pour l'un et la passionnante vie de Norbert Wiener pour l'autre. Ne riez pas, ne riez pas. Je ne vais pas non plus, à l'image de mon premier passage, m'attarder sur des petites vannes, boutades, fantaisies, mots d'esprit et autres galésades superficielles. Non, non, non. Mesdames et messieurs les jurés, chers auditoires, chers publics, l'heure n'est plus à la plaisanterie. Peut-être, et sûrement d'ailleurs, ne me comprenez-vous pas. Peut-être trouvez-vous que j'en fais trop, que je suis un brin trop dramatique. Peut-être êtes-vous en ce moment même en train de sucerer à votre voisin. Mais qu'est-ce qu'il fait celui-là? C'est un concours d'éloquence. Fais nourrir, connard. Je vous arrête tout de suite. Aujourd'hui, je ne vais pas vous faire rire. Il y a méprise. Aujourd'hui, je ne vais pas faire ce que vous attendez de nous tous. Candidat au concours d'éloquence, oh, vulgaire pantin. Mesdames et messieurs les jurés, chers auditoires, chers publics, je vais à présent énoncer mon sujet. Vous êtes donc sur le point de comprendre le pourquoi du comment. Vous êtes donc, mesdames et messieurs les jurés, chers auditoires, chers publics, sur le point de comprendre pourquoi cette prestation ne sera comme aucune autre. Le sujet qu'on m'a attribué, et compte tenu des événements exceptionnels qui se sont produits récemment dans ma vie, pour être franc, je m'y attendais, est le suivant. Que vous a dit Dieu en se révélant à vous? Non, non, ne vous lamentez pas, c'est bien trop tard. Voilà, comme vous l'avez sans doute compris, quelque chose est arrivé. Comme vous l'avez sans doute compris, quelque chose m'est arrivé. Alors, pour mon bien, pour votre bien, pour le bien des professeurs qui ont fait le déplacement, pour le bien de l'école, pour le bien de notre cher pays, et en fait, pour le bien de l'humanité, je vais non pas vous raconter une histoire, mais plutôt vous conter un passage. Un passage avec un grand P, s'il vous plaît. Si vous me le permettez, je vais commencer par le commencement. Bien avant Jésus-Christ, le roi de Judée était un homme qui s'appelait Josias. En ce temps-là, le temple où le peuple venait adorer Dieu était en ruine. Aussi, tout le monde s'était mis à adorer des idoles, de faux dieux. Et le royaume était en proie à la confusion. Et Josias, qui était un bon roi, envoya son secrétaire puiser dans les trésors du royaume. Il lui dit, nous devons rebâtir le temple. Donne tout notre or aux ouvriers de manière à ce que ce soit. Mais quand le secrétaire revint, il n'avait pas d'or. Et quand Josias lui en demanda quelle en était la raison, le secrétaire répondit, nous avons trouvé un livre. Ce que le secrétaire avait trouvé, c'était un livre ancien, le livre de la loi plus connu sous le nom d'Ancien Testament. Et c'est avec ce livre ancien, et non avec l'or, que Josias rebâtit le temple. Néanmoins, un testament de plus n'a manifestement pas suffi, ou en tout cas ne suffit plus. Je vais donc, après cette petite remise en contexte, vous parler de ce qui nous concerne tous ici. Car, oui, mesdames et messieurs les jurés, chers auditoires, chers publics, si je me tiens aujourd'hui debout devant vous, c'est bien que quelqu'un m'y a envoyé. Que ce soit au sommet du mont Sinaï, au sommet du mont Horeb, sous la forme d'un buisson ardent qui brûle sans jamais se consumer, les apparitions divines, les fameuses théophanies, sont dans l'esprit commun à la suite de grands sacrifices acceptés, de grandes longues parcourues ou encore de grands travaux effectués.
Eh bien, mesdames et messieurs les jurés, cher auditoire, cher public, détrompez-vous. Je n'avais rien demandé à personne. Mais avant de me lancer, j'ai quelque chose à vous avouer. Jusqu'hier, je n'avais strictement aucune idée de ce que j'allais pouvoir vous raconter. J'étais pétrifié, je ne dormais plus la nuit. Mais voilà, hier soir, quelque chose s'est produit. Pour terminer la journée en beauté, j'ai eu 3 heures de comptabilité. À la sortie, c'était comme après chaque cours de compta. J'étais déboussolé, je ne marchais plus droit, j'avais perdu mes repères. Et je voyais des 512 banques et autres 53 caisses se balader tout autour de moi. Étourdi, je trouvais que le temps pour parvenir à la sortie était anormalement long. Je me réveillais alors et constatais avec effroi que j'étais dans un de ces couloirs abandonnés de tous, un de ces couloirs mystérieux. Essayant vainement de regagner la sortie, j'entendis tout à coup une divine voix prononcer mon divin prénom. Oui, oui, mesdames et messieurs les jurés, cher auditoire, cher public, comme vous vous en doutez sûrement, après être apparu au sommet du mont Sinaï, au sommet du mont Horeb, sous la forme d'un buisson ardent qui brûle sans jamais se consumer, Dieu m'est apparu ici, à l'ESG Management School, après un cours de comptabilité générale. Dieu m'a dit plusieurs choses, mais vous les répétez mot pour mot ne présenterait pas un semblant d'intérêt. Dieu m'a dit tout d'abord qu'il avait déjà contacté certains d'entre vous, mais qu'il avait eu le malheur de les retrouver en soirée d'intégration, diverses leçons, beer contest et autres way, dans des états pas très catholiques. Puis, Dieu me dit, Zacharie, Zecharia, tu portes le nom d'un prophète, comme par hasard, et en hébreu, ton nom signifie « Dieu s'est souvenu ». Et en effet, Dieu s'était souvenu. Il s'était souvenu de nous, les insignifiants 7 253 784 000 prépubères qui pleuplent la planète. Alors à votre avis, que m'a-t-il dit d'autre? Contrairement à ce que certains pensent sûrement, Dieu ne m'a pas parlé du fait que nous, les jeunes, étions trop sur nos portables, ne travaillions pas assez à l'école, ou encore passions nos vies sur les réseaux sociaux. Non, non. Pour le connaître bien, je peux vous le dire, ça, Dieu s'en cogne. Le message qu'il m'a adressé, en vue que je vous l'adresse à mon tour, est bien plus important, c'est un message supérieur. De toute évidence, cher frère, Dieu n'est pas content. Pourquoi? Au fond de vous, vous le savez. Mais trêve de questions rhétoriques. Saviez-vous que les notions de paix et de Dieu sont explicitement liées? Au Moyen-Âge, on employait même l'expression « fille de Dieu » pour désigner la paix. Mais ici, je fais référence à la paix dans son acceptation générale. Je ne parle pas seulement de la cessation des guerres et des conflits, même si c'est cet exemple qui sera utilisé. Non, je parle de la vraie paix, la paix véritable. Mais alors, comment trouver cette fille de Dieu? Comment trouver la paix? Alain écrivait dans La Politique, « Il ne faut pas croire que les méchants font la guerre pendant que les bons la regardent avec horreur. Ce sont les mêmes hommes qui aiment la guerre et qui aiment la paix. » Tout cela est un peu confus alors. Laissez-moi vous faire profiter des lumières dont Dieu m'a pourvu. Vous connaissez sans nul doute l'adage « Qui veut la paix prépare la guerre ». Eh bien, oubliez-le. Oui, la guerre ne peut être moyen de paix. Et après tout, cela est parfaitement logique. N'est-il pas paradoxal de faire la guerre pour avoir la paix? Car oui, de nos jours, la guerre, comme on l'a étudié dans nos grands livres d'histoire, n'existe plus, vous le savez. Fini les longues guerres totales où le but est d'anéantir l'ennemi. Bonjour les courtes opérations de maintien de la paix, conflits asymétriques où s'enlisent beaucoup de grandes puissances, conflits asymétriques qui devraient plutôt porter le nom d'opérations de sauvegarde des intérêts. Étrange paradoxe contemporain que de se battre pour ne plus avoir à le faire. Étrange paradoxe contemporain que de faire la guerre pour maintenir la paix. La paix? Mais quelle paix? Finalement, de nos jours, avoir la paix se résume à provoquer la disparition de ce qui trouble notre propre paix. Laissez-moi prendre un exemple que nous avons tous étudié ici, heureux titulaire du baccalauréat. La guerre froide. Pendant cette période, aucun vrai conflit armé n'a éclaté. Et ce, grâce à une force de dissuasion. On peut donc parler d'une époque de paix. Mais que vaut la paix quand en se couchant, on ne sait pas si on va se réveiller? Dieu m'a dit, la paix véritable est une paix totale. Ce n'est pas seulement l'absence de guerre, c'est aussi l'absence de menace. Prenons désormais un exemple plus contemporain. À la fin de la Seconde Guerre mondiale, beaucoup de grandes puissances se sont dotées de l'arme nucléaire. Moyen ultime de dissuasion et donc finalement moyen ultime de paix. Mais il se trouve qu'aujourd'hui, la prolifération de ce type d'armement
dans les pays en proie au terrorisme nous inquiète tous beaucoup. Comment une même arme peut-elle garantir la paix et en même temps provoquer la troisième guerre mondiale? Il est impossible d'avoir la paix en faisant la guerre sans que cela dérape. Pierre Larousse a dit « Qui veut la paix prépare la guerre ». Cette maxime toute romaine est peu philosophique. Il est paradoxal de dire que les gros bataillons assurent la paix. Les peuples, vous le savez, sont de grands enfants. Quand on a de si belles armes, il se trouve toujours des fous qui brûlent de les essayer. Mesdames et messieurs les jurés, chers auditoires, chers publics, que dirons-nous à nos enfants quand ils nous demanderont comment avons-nous obtenu la paix? Si on ne fait pas le choix, un peu à l'image de la paix par le biais de la force, de leur mentir pour les protéger, nous serons alors bien obligés de leur dire la vérité. Avant de me quitter, Dieu m'a dit, à chaque guerre qui éclate, je vois fondre comme neige au soleil le fruit de mon travail. Avant de vous quitter à mon tour, j'aimerais rajouter que l'exemple de la guerre n'est qu'une illustration, tout comme l'histoire de notre cher Josias, dont je vous parlais tout à l'heure. Voyez, pour y revenir juste une minute, si Josias avait rebâti le temple avec de l'or, alors je peux vous assurer que sa destruction n'aurait été que partie remise. Ce raisonnement peut finalement s'appliquer partout. Une opération éclair de maintien de la paix dans un pays en crise ne fait que retarder l'échéance. Une course à l'armement pour garantir la paix ne fait en fait que la menacer. Tant que la solution de facilité est choisie et que le problème n'est pas traité en son fond, alors rien n'est fait. Un problème traité avec une solution de facilité n'est pas un problème résolu. Si je devais résumer le message qui m'a été transmis par une citation, je choisirais Gandhi, qui disait « La fin ne justifie pas les moyens, la fin vaut les moyens ». Mesdames et messieurs les jurés, chers auditoires, chers publics, c'est maintenant à votre tour de diffuser ce message de paix véritable. Vous êtes désormais mes messagers. Vous êtes mes apôtres. Vous êtes mes 12 tribus. Vous êtes mes blanches colombes. Merci beaucoup. Il a résisté à l'envie de tuer la terre entière, y compris ses professeurs, alors qu'il avait quelques minutes d'irresponsabilité. Son humanisme est tout à son honneur et nous lui donnons encore la possibilité de l'appliquer aujourd'hui. J'appelle Jérémy Horry. Ah mes yeux, je suis dans un tunnel et une lumière blanche est au bout. C'est pas possible. Je suis mort. À 18 ans. Yes! Je suis pas mort en étant tout vieux, tout rabougri, tout gâteux. Non, je suis mort au top de moi-même. Jeune, beau, parfait. Quand Dieu va me voir, c'est sûr, il va me mettre au paradis. Bah oui, Dieu n'a-t-il pas fait l'homme à son image? Mais attendez une minute, je veux enfin savoir. Savoir si il y a un dieu, deux dieux, trois dieux, des dieux. Il se pourrait qu'en passant la grande porte en face de moi, je me retrouve face à Dieu, entouré de mes 70 vierges. Ou bien que Saint-Pierre sera là avec ses clés, bon, moins sexy, mais... Ou que Adam et Ève viendront m'ouvrir le jardin céleste. À condition, bien sûr, que j'aille au paradis. Bon, très bien, je vais faire un petit bilan. Je ne me suis jamais drogué. Une fois, j'étais bourré, mais ça compte pas. Je suis toujours resté fidèle à ma copine. Je n'ai jamais tué et je n'ai jamais voulu faire une blacklist. La vidéo qui passe sur mon premier passage, c'est un montage. Du coup, j'enchaîne. Directement, je n'ai jamais menti. Bon, ça va. C'est certain, je vais au paradis. Allez, je me lance. Je rentre dans une salle sombre. Ce n'est pas une salle, c'est une étable. J'ai les pieds pleins de boue. Et là, je me retrouve nez à nez avec un bœuf. C'est une blague, une boutade, une farce. On se joue de moi. On se joue de moi. Passé toutes ces questions qui se bousculent dans ma tête, je réalise avec mon grand désarroi que le bovin, en face de moi, n'est autre que notre Père éternel, celui à qui on vante la grâce, la miséricorde et la bonté. Un bœuf.
Je suis, les pieds dans la boue, face à Dieu, qui contre toute attente est un bœuf. Contre toute attente, je ne peux pas croire que sur terre, il n'y ait pas de messages, des prophéties, des messages cachés. Peut-être qu'un veau, fils de bœuf, est venu se faire crucifier. On serait passé à côté de tout ça. Et tout à coup, j'ai repensé à un vieux dicton que me disait ma mère. Qui vole un œuf, vole un bœuf. Non, je ne me souviens pas pourquoi elle me disait ça. C'est pas ce qui nous intéresse. Dieu n'est-il pas le créateur de la nature? Un œuf, c'est l'incarnation parfaite de la vie, de la nature. Donc Dieu est le propriétaire de l'œuf en question. Donc qui vole un œuf, vole Dieu. Vous m'avez compris, qui vole un œuf, vole un bœuf, n'est pas seulement une phrase qui rime. C'est une prophétie divine. Soit dit en passant, si vous cherchez l'auteur de ce message sacré sur Internet, vous n'allez pas trouver. Non, non. Parfois, c'est signé dicton populaire, mais on ne nous la fait pas. En revanche, tout le discours que j'avais préparé, qui devait m'envoyer directement au paradis, tombe à l'eau. Qu'est-ce qu'un bœuf a à faire de savoir si j'ai de bonnes mœurs, que je respecte mes parents et tout le reste? C'est pas grave, j'improvise. Notre Père qui est aux cieux, en face de moi, je vais avant tout que vous ne statuiez sur mon cas, vous convaincre de ma plus claire pureté. En effet, au premier abord, je ne suis pas ce qu'il y a de plus recommandable dans le monde animal. Mais je vous jure, sur la foi que j'ai en vous, il y a bien pire, croyez-moi. Oui, c'est vrai, je ne suis pas végétarien. Et alors, c'est quoi le paradis si Dieu est un bœuf? Les anges, à quoi ressemblent-ils? Des porcs avec des ailes? Ça va faire plaisir à certains. Et puis le paradis, une énorme étendue d'herbe? Vous me direz, ça ferait plaisir à Bob Marley, mais là... Non, mais plus sérieusement, à quoi ça sert de mourir si ce n'est pas pour aller au paradis? Pour rassurer, pour résumer, si je vais au paradis, je vais passer toute l'éternité à manger des légumes et du tofu. En fait, aller au paradis, c'est comme si vous aviez une copine qui fait un régime. Oui, les gars, ne lui dites jamais qu'elle est grosse. Claquez-la. Bon, restons sérieux. Je pourrais négocier. Après tout, pourquoi j'irai au paradis ou en enfer? J'ai qu'à négocier avec Dieu le bœuf. D'être son messie. Ben oui. On me surnommera le bourguignon. Et c'était facile. Je pourrais me dévouer pour aller parmi les miens et libérer les bœufs de l'esclavage. Le génocide argentin n'a que trop duré. Je ferai fermer les boucheries, ouvrir des étables à la place des parlements. J'instaurerai la loi divine sur terre. Et pour cela, j'irai en haut d'une montagne et je ferai l'étable de la loi. Elle s'est fait des frayeurs. Quelques minutes, quittant ses robes et froufrous pour le costume et la cravate, elle a ressenti un court instant la grandeur et la misère de l'homme avant de redevenir femme. Elle part aujourd'hui dans une autre aventure. J'appelle Colis Pazzerer. Bonjour à tous, donc voilà, je m'appelle Chloé et je vous le cache pas, ce sujet a été très difficile pour moi et douloureux à traiter. J'ai eu comme sujet si je devais tuer Dieu, donc voilà. Mais je vais le faire, donc ne soyez pas choqués par certains de mes propos. Voilà. Ah, te voilà, Dieu, je suis émue. Je ne sais pas par quoi commencer, quoi te dire, tout se bouscule dans ma tête. Je t'imaginais plus, enfin moins. Bref, te rencontrer là et faire ta connaissance le jour de ta mort, ça me fait tout drôle. Oui, oui, le jour de ta mort, car aujourd'hui je suis envoyée par les hommes que tu as créés à ton image pour mettre fin à tes jours. Tu as l'air étonné, Dieu? Avoue quand même que tu n'as pas toujours été exemplaire. Tiens, pour ne parler qu'en mon nom, c'est pas Dizierer, qui veut dire promeneur en allemand, ils n'ont pas eu le temps de se balader pendant la Seconde Guerre mondiale. Hein. Toute la famille a été déportée, exterminée, éliminée, kaput, raus. Et ce sont tu lèves ton petit doigt. Avoue que c'était pas très élégant de ta part, un peu de civisme. Bon, tu m'as laissé ma grand-mère, mais dans quel état? Que reste-t-il de cet enfant de 3 ans caché dans un placard étouffant ses pleurs? Ses 8 frères et
sœur, son père, sa mère, sa tante, ses oncles, tous morts. Mais elle, rescapée. Mais rescapée de quoi? Rescapée pourquoi? J'étais tout bébé dans un orphelinat. Merci Dieu, tu lui as sauvé la vie, quelle clémence. Cette pauvre femme aurait mieux fait de partir avec les autres. Tout ce qui lui reste, c'est du Prozac, du Xanax, des électrochocs et un abonnement à vie chez son fils impuissant. Non, Dieu, c'est vrai, aucun intérêt de l'épargner. Tu as cru bien faire, sûrement. Un moment d'égarement, de bonté peut-être, ou tout simplement un manque de concentration. Non, non, je n'aime pas ce mot. Donc, je t'en veux, et pas qu'un peu. Mais je comprends pas, tu t'ennuies tout seul là-haut, tu as les nouveaux copains, t'avais en tête de créer plusieurs équipes de foot, de basket, de pétanque, une comédie musicale, une pièce de théâtre, un spectacle de danse. Et c'est donc pour ça que tu n'as rien fait. Tu voulais plus de monde avec toi là-haut et tu en avais marre des anciens. Bon, donc aujourd'hui je dois te tuer, plus facile à dire qu'à faire. Moi je suis pas comme toi, j'ai pas l'habitude et puis j'ai peur de pas retrouver le sommeil. Mais après tout je m'en fous et puis dire que j'ai tué Dieu, ça passe quand même super bien dans le CV. Alors voilà, te condamner à mort, d'accord, mais comment te faire mourir? As-tu réellement mérité ce sort? Que suis-je pour toi et décider de ce que toi seul tu décides d'ordinaire? Je pourrais t'accuser de passivité face au génocide, aux guerres, aux conflits, aux contraintes naturelles, tsunamis, ouragans, tremblements de terre, mais aussi face à l'arrivée d'islamistes, de terroristes, de pédophiles, de psychopathes et j'en passe. Mais en même temps, car il faut bien le dire, j'ai eu de bons et de bons moments grâce à toi. Mes parents sont gentils, mon frère et ma soeur polis, j'ai un carcan familial solide et construit. Alors que te reprocher personnellement? De ne pas être une grande blonde aux formes généreuses? Bon. De ne pas être la riche héritière d'une grande famille princière? J'en connais eux qui auraient tous les droits de t'assassiner. Les Rwandais, les Arméniens, les sans-papiers, les Roms, les handicapés, les déficients mentaux, les très gros, les très maigres, les idiots, les surdoués, les extrémistes, les païens, les talibans, les orphelins, les veufs, les SDF, les nains, les lépreux, les aveugles, les bossus, les tordus. Et j'en passe tant de misères que tu as créées. Mais pourquoi, Dieu, pourquoi? Que nous fais-tu payer si chèrement? Cadon et croquer la pomme, c'est ça? Donc c'est punition générale? Pas juste. Que dirais-tu, Dieu, si tu prenais le train pour Auschwitz, seul dans la neige, tout nu et affamé, et que je te faisais prendre une douche? Que penserais-tu si je te laissais crever de soif et de faim en Afrique, en plein cagnard, et que de surcroît je t'envoyais Ebola? Comment te sentirais-tu si je t'annonçais ta fin imminente à l'aide d'un cancer généralisé qui t'achèverait dans ta trop souffrance? Et le cancer des enfants, Dieu, tu le vis comment? Et les meurtres des traqués mentaux qui éliminent des joggeuses et poussent les rails des gens sous les rails du métro? Dieu, réponds-moi! Tu ne me réponds pas même quand j'implore de te défendre! Alors que faire de toi? Tu es notre éternel silencieux, celui qu'on ne voit pas, que l'on devine, que l'on imagine, que l'on espère, celui qui a tous les pouvoirs. Ton pouvoir est étrange, tu donnes la vie souvent, mais tu donnes toujours la mort, et quoi qu'il advienne, la sentence est la même pour tous. Tu mourras. Mais personne ne trouve donc grâce à tes yeux, Dieu? Mais à qui profite le crime, Dieu? Pourquoi diviser les hommes en races, en couleurs, en religions? Mais pourquoi? Ne vois-tu pas que des différences naissent des divisions? Et ton paradis, existe-t-il ou est-ce encore une de tes arnaques dont tu es spécialiste? Nos prières ne sont que là pour mieux supporter la barbarie de tes humeurs de vieux fou. Tu te déchaînes contre tes enfants. Comment te faire confiance? Comment t'aimer? Comment te croire? Tu nous as créés à ton image, dans un miroir déformant sûrement. Car moi, je ne te ressemble pas. J'ai le cœur tendre et je rêve d'autres choses pour mes enfants. Je vais t'anéantir car ton carnage a assez duré. Qui sait ce que tu pourrais inventer? Un 11 septembre bis, un nouvel holocauste, un autre Staline, le crash d'un avion, la naissance d'un nouvel Hitler ou d'un néo-Mussolini, un autre apartheid, le retour de l'esclavage, la traite des blanches? Que sais-je du pire dont tu es capable? Que sais-je du pire dont tu es coupable? Eh bien aujourd'hui, je suis ton bourreau, et ma sanction sera de te faire vivre ce que les miens ont vécu, ce que les malheureux vivent, et ta plus grande punition sera de vivre et revivre à l'infini toutes les horreurs que tu as faites subir aux hommes. Implorer sans retour, à ton tour tu prieras, invincible tu étais, une proie tu seras. De souffrir à ton tour, les tiens tu comprendras, mettre fin à tes jours, jamais tu ne pourras. Aujourd'hui, je ne te condamne à ne jamais mourir. Il a enflammé la première session du concours. Demosthène lui-même en aurait écrasé une larme. Il aurait frissonné aussi en imaginant cette dernière nuit d'amour avant le grand adieu. Celui qui a le poster de Jan Manson au-dessus de son lit et son album en 45 tours, nous parlera-t-il encore d'amour aujourd'hui? J'appelle Nicolas Perret. Bonjour à tous. Voilà un sujet pour le moins cocasse, mais très intéressant qui pourrait me faire réfléchir et vous parler à l'occasion et pour une fois aussi. Ce sujet vous interpelle, vous donne envie de parler pelote, de parler Descartes, de parler philosophie? Mais non, je ne traiterai pas de ce sujet. Voilà, il y a des sujets cool, des sujets citations, des sujets swag,
Et puis il y a mon sujet. Vous étiez en pleine randonnée sauvage dans les alentours de Melun Sud. Votre ami se blesse en attendant d'hypothétiques secours. Vous devez le maintenir éveillé et si possible lui faire oublier que son os est à l'air et que les vautours se donnent le signal d'un tout prochain festin. Vous savez, on dirait de ces sujets que l'on donne aux élèves de CM1 en expression écrite. Cette obsession pour Melun, Melun Sud en plus. Soit c'est un pur hasard, oui. Soit entre jury, ce sont des randonnées sauvages. Pour le sud de Melun, mais alors là, je te raconte pas l'ambiance de malade. Non mais, parce qu'il faut savoir que Melun Sud, c'est très très boisé. Il y a une grande forêt très riche avec beaucoup de chênes, et puis c'est le bon endroit pour parler culture et nature. Les alentours de Melun Sud sont réputés pour être des espaces de naturistes. Pour ceux qui savent pas, les naturistes, c'est les gens qui vivent à poil, quoi, les nudistes. Amis jury, vous faites ce que vous voulez avec votre corps. Bon, je vous raconte mon histoire. J'étais, mais vous l'aurez deviné, je pense, en pleine randonnée sauvage avec un ami. Et ouais. Il y en a avec leurs potes, ils vont en boîte, dans les bars, au cinéma, se retrouvent dans un appart au calme, plein de trucs comme ça. Mais c'est des conneries tout ça. Parce que le vrai kiff, les mecs, ben, c'est la randonnée. Ben. Encore plus si c'est une randonnée sauvage, et puis alors c'est dans les alentours de Melun Sud, alors là, grandiose, magnifique. Oh, une randonnée sauvage, ouais, imagine le nombre de trucs fous que tu peux faire. Ben, ça, la marche, ramasser du bois, des champignons, faire un feu, un pique-nique. Ouais, lourd. Non, franchement, une randonnée sauvage. Déjà que la randonnée tout court, bah, c'est pas fifou, mais alors sauvage, ça me dit rien du tout, avec un pote encore moins. Bon, faut savoir que dans une randonnée sauvage, tu ne pars pas avec n'importe quel pote. Non. Tu vois, la randonnée sauvage, dans le sud de Melun, c'est intime. C'est proche. Tu vas pas avec n'importe qui. Alors après, j'aurais pu proposer à mon amoureuse secrète de m'accompagner dans ce périple de Melun Sud. Bon, je décide de partir dans cette aventure avec un bon ami que je connais depuis longtemps. Bon, j'en ai 15, c'est pas très dur. Remettons-nous dans le contexte de cette randonnée exceptionnelle. Il fait un temps radieux, les oiseaux chantent, l'air est bon, il fait doux, nous marchons côte à côte. Les feuilles se soulèvent sous nos pas, il y a comme un air de Marvin Gaye dans l'air. On continue notre randonnée, et là, notre abruti se blesse en se coinçant le pied entre deux grosses racines. Il tombe, mais alors, mais comme il merde. Exactement comme la bousson de la vache. C'était vachement drôle. Il s'étale bien par terre, ça sentait pas bon pour lui. Ma réaction fut immédiate. Je me précipite vers lui pour lui porter secours et commençais à lui faire les soins de première instance. Non, je déconne. J'ai rigolé de sa chute pour les 20-30 minutes. Un paradoxe, un manque d'honneur envers soi-même, il n'y a plus de respect. Et là, je vois un bout de son os qui dépasse de sa jambe. Merde, c'est grave. Il y a un os, lui ai-je dit. Où sort un os, dit-il. Alors, non seulement il tombe comme un abruti, mais en plus il est con. Il est con deux fois, il connaît pas les expressions. Mince, non, il y a un os, genre, il y a un problème, parce que t'es blessé, mais t'inquiète pas, mon vieil. Oui, bon, c'est comme ça que je l'appelle, et alors. Ah mince, il va se douter d'un truc. Le sang coule de sa jambe, il commence à tourner de l'œil. J'appelle le secours, et ils ne viendront que dans 2 heures minimum. Bon, ce seront des fonctionnaires, multiplier le temps par 3. Bon, alors là, le sujet me demande de le maintenir éveillé et de lui faire oublier qu'il y a un os qui dépasse. Et plus apparemment des vautours au dos. Bon, le jour où tu verras des vautours dans la région de Melun Sud, tu m'appelles. À la limite, il y a des corbeaux, mais c'est déjà moins classe. Non, mais parce qu'il n'y a que dans Blanche-Neige ou Livre de la Jungle, il y a des vautours, pas des blessés. Arrête tes conneries. Ouais. Bah, franchement, moi, j'ai rien à lui dire. Henri, il souffle, il a peine éveillé. Je vais pas venir saouler comme quand il y a un mec qui est sur un pont prêt à suicider. Que ne dise personne. Hein. Je vais pas non plus lui faire du bouche à bouche, ça lui plairait pas. Mais j'y pense. Claude est seul, puisque Henri est avec moi. Là, une idée me vint tout de suite. Je me souviens avec détail de tout ce qu'Henri m'a raconté, de tout ce que Claude aime. Qu'Henri est presque mort et que le secours remet au moins 2 heures à venir, cela nous laisse pas mal de temps. Bon, il ne me suffirait que de quelques minutes, mais bon, je ne vais pas me plaindre. Alors je décide d'appeler Claude. Bah, pour qu'elle vienne secourir Henri, enfin. Il s'aime. Elle viendrait bien plus vite que le secours. Bon, après, je lui propose de faire un mot, puis si elle ne veut pas trancher. Oh, je voudrais. Oublions cette randonnée pour le moins inhabituelle et concentrons-nous sur autre chose. Un tel sujet ne peut avoir été pondu sans raison par des poules mouillées. Qu'est-ce que le jury a essayé? Maladroitement, je vous l'accorde,
de nous faire passer comme message. Quel vrai sujet se cache derrière Melun, Sud et ses alentours, derrière ses vautours, cet os, cet ami. Eh bien, j'ai longtemps, cher jury, cherché une explication à travers des revues, des journaux, des livres, dans les encyclopédies, sur Internet. Ouais, j'ai une petite fouille alors. Et j'en suis arrivé à cette conclusion pour le moins intéressante. Et elle va vous faire réagir, j'en suis sûr. Cette conclusion, c'est que c'est bien un sujet de merde, ouais. Un sujet plat, nul. Elle a accepté de se mettre à nu pour nous, de se livrer sans se déshabiller, preuve que l'on peut évoquer la nudité sans vulgarité et sans gêne, entre gens de goût et de bonne famille. Si les salles de cours sont toujours aussi chaudes, selon l'avis même de François Lafargue, elle va aujourd'hui dévoiler un autre aspect de sa réflexion. Marie Conan. Je dis bonjour avec le respect chinois pour ceux qui n'auraient pas compris. Donc oui, car mon sujet est le suivant. Doit-on toujours respecter ses aînés? Donc avant toute chose, j'aimerais remercier Monsieur Prémartin, alias Gébuman. Il s'est prévenu. Il est pas là. Il est pas là, donc tant pis. Évidemment, quoi de plus important, la famille que je représente aujourd'hui. Ouais. Allez, on va jouer l'élève studieuse et balancer les petites étymologies pour kiffer bien en début de discours. Donc respect vient du latin respectus, qui signifie égard et considération. Le respect, c'est souvent des gestes simples, un regard bienveillant, un sourire, dire bonjour, remercier, ouvrir la porte à quelqu'un, s'entraider, écouter les autres, accepter les différences. On m'a dit en arrivant à l'ESG, oui, il faut que tu respectes tes aînés, mais avant tout ton parrain et ta marraine. Mais pour les 2G, le respect, c'est souvent plus dans leur sens que dans l'autre. Un regard bienveillant, en offrant des cadeaux, s'entraider en faisant leurs devoirs, leur ouvrir la porte. En gros, faire jouer les toutous. Alors si c'est ça le respect cette année, vous avez été très chaud, vous avez su vous imposer. Alors juste un mot, respect. C'est marrant car je me suis aperçue que dans cette notion de respect était extrêmement présente au concours des Gostel. Et oui, surtout envers les frères Ansel. Vous n'êtes pas sans savoir que je possède certaines origines. Viette et chinoise plus précisément, et enfin marocaine, mais ça, on s'en tape. Tout ça pour vous dire que j'ai reçu une éducation typiquement vietnamienne, l'importance des anciens y est très importante, et la culture extrêmement conservatrice. Donc là-bas, le mot respect prend tout son sens. Répondez-moi franchement, est-ce que beaucoup d'entre vous ont déjà reçu des coups de bambou? Je suis sûre que non, pour ma part, c'est une habitude. J'ai une petite anecdote à vous faire passager. Un jour, à l'âge de 12 ans, j'ai eu une sale note, 7 sur 20 en technologie. Quand je suis rentrée chez moi, mes parents m'ont infligé 300 coups de bâton, et en plus je me suis fait épiler les poils du nez parce que j'ai trop pleuré. Bref, vous l'avez compris, les parents ont tous les droits sur leurs enfants, mais contrairement à ce que vous pensez, ce principe n'est pas infligé aux jeunes, au contraire, ils le revendiquent. Je ne parle pas à la fois où j'ai eu le malheur d'arriver en retard au dîner. J'ai dû laver notre terrasse de 35 hectares avec une brosse à dents que j'utilise toujours. C'est la diplomatie vietnamienne où un individu né avant un autre gagne le respect du second. Tel un droit d'aînesse, le respect de la famille, des vieux, des aînés apparaît comme systématique. Il faut quoi qu'il arrive, considérer les plus âgés, même si eux ne le font pas. Vous devez les respecter. Même si eux vous insultent, vous devez continuer à les respecter. C'est pas comme si vous n'avez rien entendu. Même si eux vous poussent dans la rue, vous crachent dessus, vous devez continuer à les respecter, pas comme si vous n'avez rien senti. Mais d'une manière générale, nos seniors, ils ont vécu, se sont trompés, ont regretté. Il y a une chose positive à cela, c'est la transmission de leur expérience et donc de leur sagesse. De leur vie. Ils nous offrent la possibilité d'éviter, de reproduire leurs erreurs, d'améliorer nos connaissances, de bâtir une société meilleure, de maîtriser notre avenir. Nous, jeunes cons que nous sommes, le sort de l'humanité est entre nos mains. Nous avons les cartes en main. Le choix d'améliorer sa vie, d'améliorer nos vies, nous pouvons agir, nous devons agir. Nous bénéficions d'encyclopédies sur pattes, juste à la portée de main. Vous ne vous rendez pas compte de la valeur, de la richesse de ces antiquités. À nous de les utiliser, d'en faire bon usage.
C'est une connerie phénoménale que de renier cette richesse, que de vivre dans l'insouciance du lendemain. C'est pourquoi, jeunes prébubères que nous sommes, nous devons favoriser leur plein épanouissement sur tous les domaines. Malheureusement, en France, même si le respect à l'égard des aînés est demeure prégnant, il tend à perdre de sa valeur, surtout à l'extérieur. Je me rappelle, j'étais quelquefois choquée lorsque je voyais le comportement des jeunes à mon égard. De jeunes de mon âge. Pour tout vous dire, pas plus tard qu'hier, en rentrant des cours, j'allume la télé et je tombe sur l'émission Pascal le Grand Frère. Pour ceux qui ne connaissent pas, le Grand Frère propose de tendre la main à des adolescents en crise. Donc j'étais totalement sidérée en voyant le jeune Didier manquer de respect. J'étais totalement sidérée en voyant le jeune Didier manquer de respect à ses aînés, à notre cher Pascal. Et oui, cet enfant d'inceste a été touché sa mère qui était enceinte de triplé. Suite à cette violence, la pauvre Marie-Hélène est épuisée. Mais la France ne l'est-elle pas alors une société qui se moque de ceux qui ont vécu? Une société qui s'auto-détruit? Posons-nous les bonnes questions. L'impolitesse, l'irrespect, la grossièreté sont une forme de violence qui nous conduira, sinon qui nous garde, aux frontières de la barbarie. On peut se demander d'autre part si nos aînés sont eux aussi fautifs. Est-ce qu'ils font le travail nécessaire pour qu'ils soient bien respectés? Car le respect se mérite, se cultive et s'impose. Dans le temps, on respectait les personnes âgées parce qu'elles avaient quelque chose de plus. Le savoir des anciens était une source de respect. Les jeunes admiraient le travail des vieux. Nos ancêtres avaient également une conscience de leur rôle de modèle auprès de leurs enfants. Donc on disait aux grands, il faut montrer l'exemple. Aujourd'hui, où est l'exemple? Monsieur Thévenoud, à la franchise édifiante, ou alors Monsieur Strauss-Kahn, à la fidélité indéfectible ou à la persévérance inébranlable? Alors je clôturerai mon discours par cette phrase, on ne respecte que les hommes qui tiennent leur parole. À méditer, merci. Il avait bien caché son jeu timide illusionniste à l'entrée à l'ESG, il s'est découvert séducteur morbide, croque-mort romantique, tueur au cœur qui saigne et amoureux fou allié. Il a un autre rendez-vous aujourd'hui en toute logique, après ses exploits d'Acôme et de Tombeau, avec le diable, j'appelle Yacine Letriche. Bonjour à tous. J'ai trois passions dans la vie. Faire tirer des cartes, tirer des sujets du concours Démosthène, et écouter les chroniques de Frédéric Ancel sur France Inter. L'une d'elles est évidemment un mensonge. Alors, il y a eu beaucoup de sujets traitant de Dieu à cette session, mais mon sujet d'aujourd'hui s'intitule « Vous négociez la vente de votre âme au diable ». Oui, je sais, j'ai ce talent de tirer des sujets joyeux comme ça à chaque fois. Je vais donc me mettre dans la peau de mon personnage. C'est bien entendu une expression, hein, à défaut d'avoir des pulsions de serial killer, je ne vais dépecer personne ce soir, enfin aujourd'hui. Rassurez-vous. Donc, attention, tour de magie. Je vais juste changer de t-shirt, parce que je ne conviens pas. Bon, ça n'a rien à voir avec l'éloquence, mais donc, ça vous impressionne, hein, hein? Eh ben oui, c'est de la magie, hein. Non, il n'y a pas de truc, il n'y a pas de trucage. J'ai des pouvoirs, hein, j'ai des pouvoirs, c'est tout. J'ai reçu ma lettre d'admission à Poudlard et pas vous, hein. Soyez pas jaloux, hein. Le matin, je me change en 3 secondes avant que vous galérez pendant 15 minutes à vous habiller. Bon, toi, tu t'habilles peut-être pas le matin, mais bon, tu dors peut-être habillé, je sais pas, tu fais ce que tu veux, je te juge pas. Mais... Bref, la vie est injuste. Je n'aimerais pas être à votre place, hein. Ça doit être si difficile de n'être qu'un simple mortel, insignifiant et dénué de talent. Bon, parlons-moi. Il y a 2 mois, pour payer l'ESG, j'ai commencé à chercher un travail. Mais pas un travail dans une entreprise où il faut faire un CV, où il faut être rasé, encore faut-il que j'ai de la barbe, ou une moustache. Non. Et puis on va pas se le cacher, hein, étant un serial killer à la retraite, travailler avec des vivants, c'était pas une très bonne idée, quoi. Donc, je me suis demandé quel métier pouvait m'intéresser. Et là, je suis allé au seul endroit
où j'étais sûr d'être bien accueilli. Et où l'on m'embaucherait tout de suite, en fait. Et oui, mesdames et messieurs les jurés, cher auditoire, cher public, Victor, François, Stéphane, Frédéric, Laurent, et j'ai oublié les deux autres, je suis allé déposer ma candidature en enfer. En enfer, pour ceux qui n'entendent pas. Ah non, mais clairement, je vous le dis, hein, ancien serial killer, je vais pas perdre mon temps à retirer de la viande de dinde dans un kebab à Bobigny. Je le laisse pour certains d'entre vous. Oui, Stéphane, je vous vise dans les personnes du jeu. Hein. L'enfer, c'est quand même une institution avec une grosse sélectivité, quoi. C'est pas comme le concours d'entrée de certaines écoles de commerce, dont je ne citerai pas le nom, qui font entrer un peu tout le monde. Regardez-vous, hein. J'ai donc réussi le concours d'entrée des enfers. J'ai fait un petit tour de carte à l'esprit démoniaque qui m'a fait passer l'oral. Je pense que je suis rentré grâce à ça d'ailleurs. Et j'ai été embauché dans une petite boutique, une des seules boutiques des enfers installées en France d'ailleurs. C'est pas loin de l'ESG, vous pouvez y passer si vous voulez. Le nom de la boutique est Narchetan. Alors, qu'est-ce qu'on vend à cette boutique? Très bonne question. Eh bien, figurez-vous qu'on vend des âmes. Et oui, vous allez me dire, mais qu'est-ce que c'est qu'une boutique qui vend des âmes? Eh bien, certaines personnes sont satisfaites de leur corps, par exemple. D'autres non, d'ailleurs, et on ne peut malheureusement rien pour eux. Je suis désolé pour toi, hein, pour toi aussi, mais voilà. Et certaines personnes ne sont pas satisfaites de leur âme. Et c'est là qu'on intervient. Et oui, figurez-vous que chez Narchetan, nous avons une large sélection d'âmes de qualité, pas chère, pour vous satisfaire. Et oui, vous verrez quand vous rentrez dans la boutique, hein, les âmes à votre gauche sont une sélection d'âmes pures et nobles. Celles de votre droite sont des âmes impures et donc personne ne veut. Bon, sinon parlons business, parlons trafic d'âmes. On a reçu un nouveau stock lundi dernier, et j'ai jeté un coup d'œil et franchement il y a du nouveau. Hein. Il y en a pour tout le monde, de l'âme pure, de l'âme impure. Alors là, nous avons des gros bonnets niveau âme, hein, des véritables champions des temps modernes, des Zinedine Zidane de l'âme pourrie et malsaine. Par exemple, j'ai enfin reçu l'âme avec un L majuscule. Celle-là, je l'attendais depuis longtemps. Hein. On fait des soldes de moins 90% sur celle-ci, hein, qui fait partie de nos invendus d'ailleurs. Elle est si sordide qu'aucun de nos clients n'a voulu l'acheter. Je l'ai importée de Chine exprès pour vous. Elle est unique au monde. C'est bien sûr celle de l'empereur du mal, du seigneur des ténèbres, celui dont on ne doit pas prononcer le nom. François Lafargue. D'ailleurs, si ça intéresse quelqu'un, nous vendons des bonnets à pompons aussi. Et on en vend à l'entrée de l'ESG là-bas. Ils sont moins chers qu'en boutique, hein. Ils sont à 15 euros au lieu de 18 euros. À quoi? Ah, j'ai pas le droit de faire ma pub quand je suis devant un amphi. Oh, il y a des profs qui le font, il me semble. Non. Sinon, et ça va me servir de transition d'ailleurs, dans notre top vente, nous avons toujours l'âme de Frédéric Ancel. Pour une âme de Frédéric Ancel, figurez-vous que nous vous offrons un stylo et l'âme de son frère. Un cadeau de grande valeur, vous en conviendrez, c'est quand même un stylo plaqué or. Bon, passons aux choses sérieuses. Hier soir, j'ai reçu une étrange visite à la boutique. Il était 18h quand j'entendis la petite clochette fixée en haut de la porte sonner. Foutre de moi, mais bon. Non, mais c'est les effets maison, quoi. C'est, voilà. Donc, immédiatement, je lui dis bonjour, avec joie et bonne humeur. Et il me répond avec une voix très grave, très sérieuse, bonsoir. Bon, donc là, immédiatement, j'ai compris que la promotion sur les bonnets à pompons, bon, ça l'intéresserait pas. Et après lui avoir demandé ce qu'il désirait, il me donna son identité. Bon, dans ce magasin, j'ai vu des personnes bizarres défiler, hein, entre les frères Bogdanov. Mais alors là, c'était le patron. C'était le diable en personne. C'était le big boss du rap game, quoi. C'était, voilà. Et je vous préviens, en matière de patron et de directeur, il n'y a pas pire que lui. Hein. C'est pas le genre de directeur cool qui va faire un ice bucket challenge devant le campus. Non, clairement pas. Donc je me suis donc demandé quelle âme lui irait bien. Car vous en doutez bien, toutes les âmes ne vont pas dans tous les corps. Hein. C'est d'ailleurs pour ça que je m'amuse parfois. Il m'arrive, bon je l'avoue, hein, après une longue journée, de faire des petites combinaisons âmes propriétaires assez sympathiques. Genre l'âme d'une personne de couleur noire dans le corps de Jean-Marie Le Pen. Ouais, bon, des choses comme ça.
Je vous avais dit qu'on recevait des personnes très étranges, hein. Et après, il y a des petits problèmes quand je fais ça, c'est-à-dire que il faut que je prenne des précautions. L'autre jour, j'avais essayé avec, avec François Lafargue d'ailleurs, qui était venu, dans le magasin pour acheter un bonnet à pompons pour le ski. Donc j'avais voulu lui vendre là d'un jeune schooler de l'ESG, François Lafargue. Ah non, mais le pauvre François n'a pas supporté, hein. Ça a été un sacré choc. Il a carrément fait une réaction chimique, hein. Il était jamais vu ça. Il était à quatre pattes, à réciter des phrases en latin. Bon, j'ai appelé la police immédiatement. Hein, bon, j'ai mis de côté cette âme de schooler, hein. Elle irait certainement mieux à d'autres professeurs de l'ESG, je pense. Bon, là je vois Satan qui s'impatientait. Il devenait tout rouge, donc je me suis dit que c'était pas bon, quoi. Je lui ai proposé mes stocks, et il m'a dit qu'il voulait une âme fraîche, une âme pure, une âme jeune, une âme 100% gagnante, une âme qui va en finale. Et donc je lui ai dit qu'il me restait une âme en stock, comme ça, l'âme d'un jeune homme de 17 ans. Bon, je lui ai dit que c'était l'âme de Yacine Dietrich, quoi. Enfin, la mienne, il me restait plus que ça, de toute façon. Donc, déjà, quand j'ai prononcé mon nom, il s'est mis à rire, donc je l'ai mal pris. J'en ai proposé 666 euros, histoire de lui faire une petite dédicace. Je pensais qu'il apprécierait. Il n'a pas apprécié. Bon, je lui ai fait un petit papier cadeau, il s'en est allé. Je me sentais plus léger, du coup, hein, après avoir vendu mon âme. Mais bon, comme disait ce cher Florent Pagny, ouais, je peux bien vendre mon âme au diable, avec lui, on peut s'arranger. Ça veut strictement rien dire. Bon, c'est vrai que c'est pas un truc qui arrive tous les jours, hein, vendre son âme au diable. Sinon, avant de terminer, j'aimerais remercier Alexandre Bedu, mon staff, qui s'est couché à 23h pour m'aider hier soir. Hein. C'est quand même un énorme effort pour lui, il a pas l'habitude, il est juste là, il se cache, il rigole. Vous pouvez le regarder pointer le doigt si vous voulez. Bon, applaudissez-le bien fort pour moi, s'il vous plaît. Et j'aimerais terminer sur une note d'espoir, mes amis. J'aimerais finir avec une magnifique citation d'un philosophe des Lumières qui, je l'espère, vous fera réfléchir sur le sujet que j'ai traité. La politique est le premier des arts et le dernier des métiers. Bon, je l'ai déjà dit l'autre fois, mais j'en connais pas d'autres et je la trouve toujours vachement bien. Merci à tous.